La formation est délimitée à la France et aussi DOM-TOM. Effectivement, il y a des spécificités locales. Il peut seulement raccrocher au nez. Il raccroche tout de suite. En réalité, tant qu'il ne raccroche pas, donc vous serez un peu autonome aussi. Qui veulent juste regarder la formation en mode Netflix. Tous les planètes sont alignées, tu es de bonne humeur, il y a du soleil, tu as eu des bonnes nouvelles et là, tu es chaud. Et ça, ce n'est pas de la motivation, c'est de la discipline et surtout un état d'esprit qui vous permet d'avancer. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour mes chers guerriers. Bon, aujourd'hui, je suis super chaud pour parler de motivation, de mindset. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer. La formation est délimitée à la France et aussi DOM-TOM. Et la particularité des DOM-TOM ou des TOM, enfin des DROM, enfin, à chaque fois, ils inventent des noms. Ils ont plus d'aide. Généralement, moi, j'étais l'année dernière à La Réunion. Et quand on comparait les aides, ils avaient généralement 25% de plus d'aide de financement de la formation ou d'autres choses. Je sais qu'à l'agriculture aussi, il y a une enveloppe spéciale là-bas aussi sur La Réunion. Mais je pense que dans chaque territoire outre-mer, c'est possible. Après, voilà, effectivement, il y a des spécificités locales, mais généralement, c'est possible. Il n'y a que Mayotte, il faut tester. Mayotte, c'est un statut un peu bizarre, mais il faut tester. Du moins que ça fait partie de la France, ils ont les aides, ils ont quelque chose. Il y a possibilité, mais moi, j'ai envie de te dire, on évite de trop anticiper les problèmes. On y va, on teste. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, pas. Bah, on a l'information. L'action nous donne les informations. Le plus important, c'est l'action. Le résultat, c'est pas grave encore. Là, il faut passer à l'action. Il faut essayer d'oser, même si vous n'avez pas toutes les informations, d'y aller. Parce qu'au pire des cas, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut seulement raccrocher au nez. Il raccroche tout de suite. En réalité, tant qu'il ne raccroche pas, vous pouvez toujours tenter, il y a toujours de l'espoir. Parce que rien ne l'empêche tout de suite à couper. Dès qu'ils entendent le nom ou ils pensent que vous allez proposer quelque chose, mais il sait qu'il n'est pas intéressé, il n'a pas envie de se prendre la tête, rien ne l'empêche à appuyer sur le rouge. Rien ne l'empêche. Vous n'êtes pas physiquement avec lui. Mais si vous gardez toujours en ligne, vous avez toujours de l'espoir. Mais c'est bien. Le plus important, ce n'est pas forcément d'avoir des résultats là. En réalité, on veut que vous passez à l'action. Le résultat, il vous raccroche au nez, il vous dit non. Ça, ça fait partie du processus. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le résultat qui était demandé quand Guy a demandé de passer les appels. C'est de commencer à se mettre en mouvement et à passer à l'action. C'est ça le plus important. Qu'on recherche des personnes qui vont oser y aller. Parce que n'oubliez pas, le poste, vous serez libre géographiquement. Donc, vous serez un peu autonome aussi. Donc, on avait aussi besoin de personnes qui aillent de l'avant, même s'ils n'ont pas toutes les informations, mais ils savent que les actions sont plus importantes parce que c'est en faisant les actions que tu as les informations. Nous, on veut les actions. On ne veut pas des personnes qui veulent juste regarder la formation en mode Netflix. Vous, vous avancez pas quand vous regardez Netflix, mais Netflix avance parce qu'ils produisent des films. Ils investissent. Ils sont producteurs. Aujourd'hui, on est à l'autre côté où on va aussi produire. On ne va pas juste être consommateur. On veut les actions, malgré que vous n'avez pas toutes les informations. On veut le passage à l'action. Donc, la motivation, c'est quelque chose qui est temporaire. Et la vraie définition, c'est vraiment discipline et mindset. La motivation, c'est un plus. C'est le truc où toutes les planètes sont alignées, tu es de bonne humeur, il y a du soleil, tu as eu des bonnes nouvelles. Et là, tu es chaud, tu vois. Mais nous, il faut qu'on garde une certaine discipline pour faire nos calls, qu'il neige, qu'il pleut, qu'il se passe des trucs bizarres dans notre vie personnelle, on passe toujours à l'action. Et ça, ce n'est pas de la motivation, c'est de la discipline et surtout un état d'esprit qui vous permet d'avancer malgré vos problèmes. Donc là, ce cours, on va dire, il est inspiré des 4 accords Toltec.